Bienvenue dans cette nouvelle séance d'apprentissage. Nous sommes dans le cadre du cours de chemin électrique niveau 2 des écoles normales d'instituteurs de l'enseignement technique. Je me nomme M. Bikim Maker, enseignant de froid et climatisation. Avant d'aborder la leçon du jour, permettez-moi de faire un rappel du devoir qui avait été demandé de faire à la maison à la séance précédente. Il était question de dresser le chemin électrique d'un bloc à deux contacts instantanés, dont un était à ouverture et l'autre à fermeture. Ça, c'est pour le premier bloc. Et un autre bloc à quatre contacts cette fois-ci, dont les deux premiers étaient à ouverture et les deux derniers à fermeture. C'est ça qui avait été demandé de faire à la maison lors de la dernière séance d'apprentissage. Nous avons recueilli de part et d'autre toutes vos suggestions, toutes vos propositions de chemin. Voilà ce que nous avons retenu. En correction de ce devoir, nous avons à gauche, que voici, un bloc à deux contacts. Voilà les deux contacts ici. Un à ouverture, il est fermé, et un autre à fermeture, il est ouvert au repos. Ça, c'est le premier bloc de contact. Donc, un des contacts est fermé au repos, donc à ouverture, et un autre ouvert au repos, donc à fermeture. Et le deuxième bloc, lui, il doit avoir quatre contacts. 1, 2, 3, 4. Dans les quatre contacts, nous avons deux contacts fermés au repos, donc à ouverture, et deux contacts ouverts au repos, donc à fermeture. Pour nous résumer, nous avons ici un bloc de deux contacts, dont un est à ouverture et un autre à fermeture. Et nous avons ici un bloc de quatre contacts, dont deux à ouverture et deux à fermeture. C'est ça qu'il fallait donner comme proposition de réponse au devoir de la séance précédente. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème. La leçon du jour est intitulée « L'étude des blocs de contact temporisés ». Je m'en vais vous présenter le plan de la leçon. Nous avons prévu en 1 des objectifs, en 2 des prérequis, en 3 une situation problème, en 4, des activités d'apprentissage, en 5, des exercices d'application et, bien entendu, à la fin, nous aurons un devoir à faire à la maison. Les objectifs qui sont assignés à la leçon du jour, les voici. Il est question de pouvoir appréhender l'importance de l'emploi des contacts temporisés dans des circuits électriques. Il sera aussi question de distinguer ces contacts temporisés par leur représentation, de les exploiter selon leur bornage et enfin de les adjoindre à un contacteur suivant les besoins qui pourrait se présenter. Voilà les objectifs que nous nous fixons dans le cadre de notre leçon du jour. Comme prérequis, vous devez avoir maîtrisé déjà les blocs de contact additifs. Ensuite, le bornage, c'est-à-dire le repérage des contacts par des nombres. Ça devrait déjà être un acquis à ce stade
de notre séquence d'apprentissage. Passons directement à notre situation problème. Un compresseur et un ventilateur de l'évaporateur à air forcé d'une chambre froide démarrent simultanément après le démarrage par résistance électrique. Cela entraîne de la chaleur dans cette enceinte et les denrées entreposées courent un grave danger. La question que l'on se pose, ou alors qu'on vous pose, que suggérez-vous pour éviter cet état de choses? Cet état de choses qui voudrait que dès lors qu'il y a fin du démarrage, le ventilateur de l'évaporateur se mette immédiatement en marche, entraînant dans ce fait une mise en danger des denrées qui sont entreposées dans l'enceinte par élévation anormale de température. Les tâches que nous allons accomplir dans le cadre de notre leçon du jour sont les suivantes. Nous allons énumérer les types de contacts temporisés. Nous allons pouvoir indiquer le bornage de ces contacts, c'est-à-dire le repérage de ces contacts. Nous allons donner le rôle et le principe de fonctionnement d'un bloc de contact temporisé et, bien entendu, entrons de plein pied à l'étude des contacts auxiliaires temporisés. Les contacts auxiliaires temporisés permettent d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après la fermeture, entre parenthèses, travail, ou l'ouverture, entre parenthèses, repos. Répétons-nous pour que ça soit un peu plus clair dans l'esprit de tout le monde. Nous disons que les contacts auxiliaires temporisés permettent d'établir ou d'ouvrir un contact à un certain temps. Vous voyez la notion de temps qui apparaît. Et nous avons dit, nous avons parlé des contacts auxiliaires temporisés. Le facteur temps intervient à ce niveau-ci. Ce facteur temps intervient soit à la fermeture, alors nous avons un contact temporisé au travail, soit ce facteur temps intervient à l'ouverture et nous avons un contact auxiliaire temporisé au travail. Donc, on aura donc deux types de contacts temporisés. Les contacts temporisés à ouverture et les contacts temporisés à fermeture. Voici comment est-ce que nous représentons nos contacts temporisés à ouverture. Il existe deux variantes qu'il ne faudra pas confondre. Il y a ceux qui se ferment instantanément mais s'ouvrent avec retard. Voilà comment nous les représentons. Nous avons là un type de ces contacts qui se ferme instantanément, mais s'ouvre avec un retard. Vous pouvez ne pas faire le distinguo à l'heure actuelle, mais observez la deuxième variante. La deuxième variante, c'est celui-là, ou alors ceux-là, qui s'ouvrent en retard et se ferment instantanément. Regardez les représentations. Nous l'avons là. La différence, vous voyez, s'il fallait distinguer de visu, vous voyez un C inversé et vous avez un C à l'endroit. Un C inversé pour indiquer les contacts qui se ferment instantanément mais qui s'ouvrent avec un retard et la représentation en C à l'endroit
pour des contacts qui s'ouvrent avec un retard, mais qui se ferment instantanément. Voilà les deux variantes de contacts auxiliaires temporisés à l'ouverture. Ouverture avec retard. Ouverture avec retard. Mais ici, fermeture instantanée et de l'autre côté, ouverture, fermeture instantanée ici. Ok. Nous les avons là, nous allons y revenir. Nous avons des contacts auxiliaires temporisés à l'ouverture. Toujours, le chiffre 1, qui est le chiffre des dizaines, indique toujours le rang. Le 2 indiquera, alors nous indiquera toujours la fonction. Nous avons aussi les deux variantes que voici ici. Le C à l'envers, le C à l'endroit, celui-ci est ouvert, celui-ci est normalement fermé. Et nous disons, quand nous avons le 7-8, il indique la fonction du contact. Ça, c'est le 7-8, il indique la fonction du contact. La fonction, c'est à fermeture. La fonction à ouverture, 5-6, indique la fonction du contact, 5-6, à ouverture. 7-8, à fermeture. Et le chiffre des dizaines indique le rang de la du contact. Quand on parle de rang, c'est l'ordre d'apparition du contact. Ainsi, nous pouvons avoir, comme celui-ci, c'est le premier contact, 17-18. Le deuxième contact du même type sera 27-28. Le troisième, 37-38. Et ainsi de suite. Maintenant, nous avons des contacts temporisés à la fermeture. Les contacts temporisés à la fermeture, nous distinguons encore les deux variantes. Ceux qui se ferment avec retard, mais s'ouvrent instantanément. Nous avons là un C à l'endroit, un C à l'endroit, et nous avons ceux qui s'ouvrent instantanément, mais se ferment avec retard. Nous avons donc un C à l'envers, alors que de ce côté, nous avons un C à l'endroit. Voilà quelques petites astuces pour pouvoir facilement identifier et repérer les pôles ou les bornes de ces contacts temporisés à la fermeture. 7-8, la fonction, 5-6, fonction, 2-2, ordre ou alors la séquence d'apparition des contacts dans un schéma électrique. Ensuite, nous avons des contacts auxiliaires temporisés à la fermeture. Nous n'allons pas revenir sur le chiffre de premier. Il est ici 2 pour indiquer deuxième, mais il pourrait y avoir un troisième, un quatrième, et on aura un 3 là, un 3 là. Le 7-8 indiquant toujours la fonction. Indiquant toujours la fonction du contact, nous avons 7-8 qui est à fermeture et 5-6 qui est à ouverture. Nous avons là nos C. C'est notre petite astuce pour pouvoir faire les repérages. Nous avons là un C à l'endroit et nous avons là un C à l'envers pour pouvoir distinguer ces deux variantes des contacts auxiliaires temporisés à la fermeture. Voici physiquement comment se présente un bloc auxiliaire temporisé. Vous avez là un bloc auxiliaire temporisé. Voici la photographie d'un de ces blocs temporisés. Observez bien. Observez, vous avez ce bouton de réglage et si vous observez bien, vous allez voir ici à l'intérieur certaines indications. Ils peuvent donc soit être temporisés pour travail et on va dire on delay
Généralement, c'est ce qui est écrit sur ces blocs quand ils sont temporisés au travail. On va dire « on delay » ou alors quand ils sont temporisés au repos, on va dire « off, off delay, off delay ». Généralement, ce sont des indications que l'on retrouve ici. Et là, on a une graduation générale qui va de 0 à 30 secondes de temporisation. Et cette temporisation est bien réglable à l'intérieur de ce bouton-ci, celui-ci en rond. Voilà un type, et vous voyez bien que c'est un fabricant particulier. Nous n'allons pas le nommer ici parce qu'il y a plusieurs fabricants de ces blocs de contact auxiliaires temporisés. Ce que nous pouvons dire, c'est que les blocs de contact temporisés auxiliaires portent juste deux contacts. Généralement, ces types de contacts sont indiqués sur le corps même de l'appareil en question, de l'appareillage en question. Et les deux sur un schéma, voilà ce que ça donne sur un schéma, schéma de principe des blocs de contact temporisés. Nous avons les contacts temporisés au travail. Nous avons là le 15, 16 et le 27, 28 ici. Ou alors les contacts temporisés au repos, comme nous avons dit tout à l'heure. Ça, c'est les on delay et ça, c'est les off delay. Et nous avons là le 35, 36 et le 47, 48. Et nous ne le dirons jamais assez. Les chiffres des dizaines indiquent l'ordre. Et le chiffre des unités, 7, 8 ou 5, 6, indique la fonction du contact. Et pour revenir à notre petite astuce, nous avons ce C à l'endroit pour des contacts temporisés au travail. Et ce C à l'envers pour des contacts temporisés au repos. Donc, maintenant, intéressons-nous de plus près à ce bouton de temporisation dont on a parlé tout à l'heure. Le voici. Au centre de l'appareillage, nous avons le bouton de temporisation. Intéressons-nous à ce bouton. Le bouton indiqué permet d'obtenir le réglage de la temporisation des contacts à la fermeture ou à l'ouverture, ce qui peut atteindre, dans ce cas précis, 30 minutes, 33 minutes au temps pour nous. Ce bouton, on peut le régler, on peut régler la temporisation ici jusqu'à 3 minutes, soit pour l'ouverture, soit pour la fermeture des contacts. Après avoir réglé la temporisation telle que nous souhaitons faire réguler notre installation, il est question de monter ces blocs dans un schéma ou dans un circuit existant. De la même façon que les blocs contacts auxiliaires instantanés, les blocs auxiliaires temporisés se montent toujours rigoureusement au-dessus de la partie supérieure du contacteur. Chaque partie supérieure du contacteur a toujours des provisions pour pouvoir accueillir soit des blocs instantanés, c'est-à-dire simples, dont nous avons parlé dans une précédente édition, soit des blocs auxiliaires temporisés. C'est au même niveau que l'on monte les blocs additifs simples qu'on va pouvoir monter des blocs additifs temporisés. Le rôle des blocs de contact temporisés, nous le répétons, c'est d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après la fermeture, nous avons parlé du travail, ou à l'ouverture, et nous parlons du repos d'un contacteur qui l'actionne. Ce qui veut dire que les contacts du contacteur et les contacts du bloc temporisé fonctionnent simultanément. Donc, un exemple de notre situation, problème qu'il y avait à résoudre. Nous avons dit
Un compresseur et le ventilateur de l'évaporateur à air forcé d'une chambre froide démarrent simultanément après le délivrage par résistance électrique. Et cela entraînait de la chaleur dans l'enceinte et les denrées entreposées étaient mises en danger. Et on nous demandait de suggérer un dispositif ou une technique pour pouvoir éviter cet état de choses. Voilà notre situation, problème qu'il y avait à régler. Maintenant que nous savons qu'il y a les blocs additifs auxiliaires temporisés, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir donc les utiliser. Nous disons donc pour résoudre notre situation problème, nous allons, juste à la fin du dérivage, nous savons que l'évaporateur chauffe parce qu'il a été chauffé par les résistances électriques. Les résistances électriques ont été mises en marche pour les besoins de dérivage. Mais la chaleur y étant encore, si l'on met au même moment le ventilateur de l'évaporateur en marche, les gouttelettes n'auront pas le temps de se solidifier autour du condenseur et pourraient être projetées par un ventilateur qui est mis instantanément en marche. Il est donc indiqué de retarder le démarrage du ventilateur par rapport au compresseur. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous faisons démarrer le compresseur en premier et après une temporisation bien sélectionnée, nous allons démarrer le ventilateur de l'évaporateur pour éviter de mettre en péril les denrées qui sont entreposées dans l'enceinte. Et nous avons à côté la représentation du type de contact temporisé à y installer. Nous voyons bien ce type de contact qui est là, de 15-16. On devra donc placer un bloc temporisé dans le contacteur du ventilateur de l'évaporateur. Et voilà comment est-ce que nous nous proposons de l'utiliser. En résumé donc, les contacts auxiliaires temporisés permettent d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après la fermeture ou l'ouverture. Oui. Les contacts auxiliaires temporisés permettent d'établir ou d'ouvrir un contact un certain temps après l'ouverture ou la fermeture d'un circuit. Et il existe deux types et également deux variantes de ces contacts ou blocs de contacts temporisés. Et ils se montrent en chevauchement dans la partie supérieure du contacteur. C'est ce qu'il faut retenir. Suivant dans l'énoncé de notre exercice d'application, il était question de proposer des types de contacts. Et nous avons proposé les contacts les plus indiqués. À la fin du dégivrage de l'évaporateur par gaz chaud, le ventilateur de l'évaporateur qui est à l'arrêt va commencer à démarrer 45 secondes après. Nous estimons que c'est le temps nécessaire pour que du liquide se prenne en masse autour de l'évaporateur. Les résistances du drain des condensats se mettent hors tension 45 minutes après la fin du dégivrage. Le drain des condensats, c'est cette ligne qui est chargée d'évacuer les produits du dégivrage, c'est-à-dire les produits liquides, vers l'extérieur de l'enceinte réfrigérée, qui est ici, dans notre cas, une chambre froide. Donc, nous voyons donc 45 secondes de temporisation ici sur la ligne de ventilateur. Et ici, nous avons la ligne de résistance du drain qui, elle est directe. On voit la fonction 7-8, c'est-à-dire un contact à fermeture. Il est ouvert et là, c'est à ouverture. Il est fermé. Voilà ce que nous proposons dans le cadre de la réalisation de notre schéma électrique tenant en compte un dérivage et
une mise en marche du ventilateur, de l'évaporateur, retardé de 45 secondes par rapport au fonctionnement du groupe de condensation. Comme devoir que vous devez faire à la maison, retenez bien l'énoncé. Le rendement d'une installation frigorifique est mauvais. Après étude, vous relevez la séquence de marche régulation que voici. La mise à l'arrêt du compresseur permet la mise hors tension simultanée des moteurs ventilateurs, du condenseur et de l'évaporateur. Lorsque l'installation frigorifique revient en mode marche réfrigération, le compresseur redémarre et le moteur du ventilateur du condenseur aussi. Celui du ventilateur de l'évaporateur se met sous tension 30 secondes après. Cette séquence améliore le rendement de l'installation. Question. Quels sont les contacts qu'il faut pour que ce fonctionnement soit possible? Reprenons la marche. Lorsque l'installation frigorifique revient en marche réfrigération, le compresseur redémarre et le moteur du ventilateur du condenseur aussi. Celui du ventilateur se met sous tension 30 secondes après. Cette séquence améliore le rendement de l'installation. Quels sont les contacts qu'il faut pour que ce fonctionnement soit possible? Ça, c'est ce que vous allez proposer comme réponse à la prochaine séance d'apprentissage. Nous avons eu besoin, comme d'habitude, de consulter certains documents qui pourraient aussi vous être utiles dans l'approfondissement des connaissances acquises ce jour. Vous consulterez notamment les nouveaux schémas électriques de Jean Estrel, Big Edition de 1984, la technologie et les schémas d'électricité niveau 1 de Henri Ney, édition Nathan Technique de 1985. Non sans vous inviter à la prochaine séance qui portera sur la régulation par thermostat d'ambiance, par thermostat tout ou rien.